Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse une petite carte. Ça va être une carte simple. Soit moi, je vais la faire pour un anniversaire ou pour je sais pas quoi encore. Mais c'est pour vous, pour la fête, la faire pour la fête des pères si vous le souhaitez. Vous pouvez la détourner pour voilà, un thème masculin, quel qu'il soit. Donc pour ceci, j'ai utilisé, mais comme d'habitude, hein, vous prenez ce que vous voulez. J'ai pris dans le bloc. Alors, je suis désolée, j'ai été obligée d'allumer la lumière avec la chaleur. Je suis obligée de me verrouiller les volets fermés. Donc voilà. J'ai pris ce bloc et j'ai utilisé ce papier. Vous savez, qui est au dos du rouge à petits pois blancs. Mais après, comme je vous dis toujours, hein, vous faites à votre idée, à votre goût. Et après, j'ai utilisé le bloc que l'on connaît tous, hein. Le bloc de chez Action, toujours. Craft, noir, blanc et... Noir, blanc et craft, c'est ça. Chercher une quatrième couleur, il n'y en a pas. Pardon. Donc, voilà. Au niveau des matrices, j'ai utilisé, je pense que vous connaissez toutes et toutes chez Stop It Up. Après, est-ce que vous êtes cliente? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'y a pas trop de reflets. Les matrices, donc cravate et veste chemise. Vous voyez, il y a cette partie-là et celle-ci. Donc, si vous ne les possédez pas, je vais vous donner les mesures pour que vous puissiez essayer de les réaliser. Donc, j'ai déjà fait toutes mes découpes, hein, pour gagner un petit peu de temps. Donc, le fond de carte, je l'ai fait de 17,5 sur 27, donc j'ai plié à 13,5. Voilà. Hop, que je ne perde pas les petits boutons. On va commencer par la chemise, ça va être plus logique. Donc la chemise, c'est un triangle blanc, tout bête, qui fait 13 cm. En prenant par le milieu, hein. Sur 6,5 cm. Donc, je vais le coller. J'essaye de me centrer un petit peu. Ouais, il doit pas être trop mal. Oh là, quand la colle a décidé de casser les pieds, elle y va. De toute façon, une fois qu'elle sera sèche, je pourrai enlever les traces. Après, sur les côtés ici, vous en moquez, ça ne se verra pas. Je vais déplier, ça sera plus facile. Après, il y a ce morceau que l'on vient insérer. Donc, je suis trop basse. Pour ça que je voulais vérifier tout de suite. Trop basse et un petit peu trop à gauche. Voilà, ça ira mieux. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, je vais venir pareil. Alors, je vais vous donner les mesures avant tout. Donc, les mesures du triangle, ce sont exactement les mêmes que le blanc, hein, que sur le blanc. Donc là, ça fait 17, 16,8, pardon, sur 13. Et là, j'ai 3,5 cm ici et ici. Donc là, pareil, je vais venir le coller. Pour l'instant, je colle à la colle-colle. Après, je vais utiliser du double face pour justement donner un peu de relief, que ce ne soit pas trop plat, pour que ce soit beaucoup plus joli.
Je viens me positionner. Voilà. Pour l'instant, on obtient ceci. Après, nous avons le col de la veste. Donc, le V est toujours le même, hein, je précise. Et là, après, hop, ouais, je vais vous donner les mesures de là et de là. Et là également, comme ça, vous aurez une idée. Donc là, il y a 2 cm pour le premier triangle. Deuxième, 1 cm. Et le troisième, la troisième pointe, 2 cm. Donc ça, je vais venir le coller avec des doubles faces. Donc là, c'est des doubles faces que j'avais commandées chez AliExpress. Ils sont tout petits, carrés. Et ils sont encore pas assez petits. Il va falloir que j'en recoupe un de façon à pouvoir coller la pointe. On mettra sur la pointe. Super. Je ne l'ai pas trop appuyé pour l'instant, donc je peux me le déplacer. Je vais en mettre un ici. Voilà. Le but, bien entendu, c'est qu'on ne voit pas le blanc du double face dépassé de l'autre côté. Sinon, ça ne va pas faire joli. Voilà, il va dépasser. Voilà, ça sera mieux. Si les petits doubles faces vous intéressent sur AliExpress, parce qu'ils sont beaucoup moins chers que sur les boutiques, vous me demandez dans les commentaires et je vous mettrai le lien, bien entendu. Je le rechercherai parce que ça fait un moment que je les ai, ceux-là, mais si ça peut vous rendre service, il n'y a pas de souci, je vous le rechercherai. Voilà, donc, maintenant je vais en découper un. S'ils en boîte petit, hein, voyez, ils sont tout petits. Ça suffit pas pour la petite pointe. Donc, eh ben, c'est pas grave, quand c'est comme ça, on triche. Hein. Là. Là, il dépasse. Donc, je vais venir très délicatement tricher. Voilà. On va venir recouper. Oh, et puis quand le ciseau il veut pas aller. Comme ça, je vais pouvoir en remettre un petit bout ici. Et un petit bout là. Voilà. Donc là, bien entendu, on vient enlever les petits bouts de papier. Voilà. Je ne l'ai pas assez écrasé. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres. C'est ma fille qui joue avec le chien. Ça, c'est toujours un petit jeu de patience, hein, bien entendu. Vous avez l'habitude. Plus j'ai les ongles qui ont cassé, donc ça n'aide pas. Mais je tenais à vous faire ce petit tuto.
de façon à ce que vous puissiez, voilà, soit comme je vous ai dit, la faire pour la fête des papas, soit eh ben, la faire pour un anniversaire, une fête, ou juste un plaisir d'offrir quelque chose. Voilà, j'ai vaincu. Donc là, on va venir le positionner en l'alignant au mieux possible. Voilà. Et là, il s'est posé ce dindon, mais il n'a pas collé du fait que je n'y avais pas appuyé. Donc, ça me permet de tricher. Voilà. Donc, vous voyez, on a un léger relief. Voilà. Mais la veste prend forme. Là, j'ai le col de la chemise que je vais venir coller en 3D également. Donc pareil, je vais aller chercher du plus gros. Je vous mets en pause 2 petites secondes, je reviens tout de suite.